Après, tu peux faire du double ou du triple maxi, hein. Tu pourrais faire du double ou du triple, t'as besoin de moins de place comme ça. D'accord. Putain, c'est chaud. Comment tu fais? Effectivement, c'est pas bête. Non mais oui, non mais je l'avais pas vu comme ça, mais vu que t'as pas de reset ou autre chose à côté, ça passe, ouais. Putain, Shiny! En live! Ah sa mère, mon premier live ever, Shiny. Bon, maintenant, faut pas que je me loupe. 7213. En fait, c'est une bonne idée de faire du live en étant sur Skype en même temps. Je m'étais dit hier, j'ai pas pu le faire pour des raisons XY, je m'étais dit que le jour où je me mettais à faire du live en étant sur Skype, il allait tomber. Donc, Rejaïs Shiny, putain, et putain, j'ai un appel pour le boulot dans un quart d'heure. Je peux pas le choper maintenant, ça va durer 1000 ans. Oh là 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 là. Le pire moment auquel il pouvait tomber. Hier, j'en fais 1500, j'avais que ça à glander de la journée, et aujourd'hui, c'est la merde. Il est abusément magnifique. Vu qu'on était en train de parler, j'ai à moitié loupé l'ombre, mais franchement, il flash la gueule, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade, Rejaïs. C'est franchement le plus beau des trois. Ah, sa mère. Bon, et voilà. Donc, du coup, c'est... Putain, une semaine après Regirock. Donc, c'est quand même pas dégueulasse. Qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais, du coup? Putain, faudrait que je coupe le live. La vidéo, elle fait 23 minutes, déjà. Donc, faudrait que je commence la capture après avoir enregistré ça. Putain. Franchement, c'est abusé. Emerald, c'est quand même des sensations de malade. La console, elle est allumée depuis 8 jours. Je vais flinguer ma light. Donc du coup, ouais, c'est cool. Bon, mais du coup, attends, je vais quitter Skype. Enfin, je reviens dans la conf incessamment sous peu. Je vais juste finir l'intro du live et puis je reviens. A tout de suite. Ouais, donc du coup, Rejaïs en live. C'est mon premier live, comme vous le savez. C'est cool. C'est cool de faire du live parce que du coup, il y a une certaine motivation à se dire je continue, je veux qu'il tombe et je veux le faire partager aux gens. C'est assez indescriptible et Rejaï, c'est franchement un shiny totalement awesome. Donc ça aussi, c'est cool. Du coup, j'avais fait toute une intro, tout un speech, faut que je retrouve mon fichier. Mais je pense que je vais faire ça dans la vidéo de capture. Donc comme vous l'avez entendu, il va falloir attendre un petit peu pour que je passe à la capture. Donc il est tombé à 13h45, je crois, ou 44, le lundi 15 septembre 2014. Et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Maître Armand, du coup. Donc je vous reprends dès que je commence la capture. À tout à l'heure. Donc, rebonjour à tous. Vous avez eu le live, théoriquement, si j'ai pas foiré le montage ou si je foire pas la capture. Qu'est-ce que j'ai à dire? Et c'est la DS Freespa aussi. Donc ouais, capture un petit peu particulière pour des tas de raisons. La première, c'est que c'est mon premier live. C'est pour ça que j'ai gueulé d'ailleurs dans la vidéo du live. La seconde, c'est que c'est le premier shiny que je trouve en étant accompagné entre guillemets, enfin, sur Skype. Donc du coup, partager ça, c'est toujours très spécial. Et ensuite, c'est parce que je sais d'avance que ce sera pas facile. Rapport au nombre de PP, rapport à la bolle dans laquelle je souhaite le choper. Donc du coup, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y passer directement. J'ai juste coupé la vidéo rapidement pour vérifier que le son est bon. Et si c'est le cas, je reprends tout de suite. Donc ouais, ça y est, le son enfin tout est bon. Donc du coup, ce que je disais, enfin ce que j'allais commencer à dire, c'est que... Alors je vais faire les dédicaces d'emblée, parce que ça me semble important. Alors déjà, je passe une dédicace à Tex, qui est déjà mon besta, mais également quelqu'un avec qui je tripe beaucoup sur un gros fail de vidéo, de live,
d'un Luxio Shiny, il me semble. Et donc, vu que c'est mon premier live, j'en profite pour lui dédicacer. Ensuite, l'ensemble des gens qui sont sur le forum Streya, parce que on a réservé un super accueil et que j'aime beaucoup l'ambiance. Et particulièrement à Kumifu, qui a été présent, et c'est avec lui que je parlais, quand Rezaï s'est tombé. Donc ça c'est fait. Au niveau du reste, écoutez, salut à toutes et salut à tous. Donc ouais, à toutes, parce que j'ai constaté sur ma chaîne YouTube qu'il y a de plus en plus de filles qui regardent mes vidéos tout court. Donc voilà, ça me semble important de distinguer aujourd'hui, donc salut à toutes et à tous. Il est donc tombé le lundi 15 septembre 2014 à 13h45. Au niveau du reste, donc comme j'ai dit, ça va être long et compliqué vu que je compte le choper à la Scuba et qu'il a seulement 35 pp. Voilà, donc ensuite je suis très content de le trouver avec un assez gros chiffre puisqu'il est à 7213. Parce que après Regirock, voilà, j'avais dit qu'il fallait faire du chiffre, donc ouais, il fallait en faire. Là où je suis plutôt content aussi, c'est que j'ai fait ces rencontres-là sur moins d'une semaine. Hein, Regirock étant tombé lundi dernier à 17h, je crois, 16h59. Donc là, ça nous fait, ça nous fait du 3h plus tôt. C'est plutôt cool. Donc arriver à faire ce chiffre sur une semaine, c'était plutôt pas mal. Et ensuite, je suis content aussi qu'il soit tombé assez tard parce que ça m'a permis d'avoir le temps de me renseigner sur la mythologie en fait des régies, que ce soit la mythologie Pokémon, mais aussi celle dont ils sont inspirés, et donc de trouver des idées de surnoms. Donc j'ai déjà trouvé le surnom de Regirock, mais j'ai aussi celui de Regice, celui qu'aura Aristide le jour où je chasserai. Donc c'est à peu près tout. Avant de passer au combat, ouais, donc en gros, une fois qu'il sera un bébé et qu'il sera endormi, j'aurai 2,34% de chance de le choper dans une Scuba. Donc c'est plutôt... ça risque d'être long. Et puis, voilà, ça va me permettre, si c'est long, de vous donner toutes les informations que je comptais vous donner. Et il est possible qu'une fois que j'ai dit tout ça, j'accélère considérablement le temps de la vidéo, donc une espèce de time-lapse de la capture, parce que je trouve ça assez chiant les vidéos de légendaires qui durent 3 quarts d'heure où finalement il y a 40 minutes qui servent à rien. Donc c'est du lancer de bol, entretien de sommeil, et la personne ne sait plus quoi dire. Donc c'est pour ça, j'ai pris ce parti du moment où j'ai plus rien à dire, j'accélérerai la vidéo jusqu'à la capture. Voilà. Si capture il y a, de toute façon il y aura, puisque je compte les BP et qu'il y aura Master Ball, mais voilà, si capture se passe comme prévu. Petit point avant de commencer aussi, c'est que contrairement au premier combat contre Regirock, où j'avais donc passé la Bemopo dès le début, là je vais pas prendre de risque, en fait je lui donnerai la Bemopo qu'en dernier recours. Donc ça va être tout de suite effort, ensuite hypnose et ensuite on sera parti. Et je prendrai une marge jusqu'à ce qu'il ait... jusqu'à ce qu'il lui reste, peut-être 5 pp, histoire d'avoir une marge, pour lui passer la Bemopo, et à ce moment-là, je lancerai des bols sans sommeil, jusqu'à ce que je lance la Master, si besoin. Et puis, c'est à peu près tout. Donc, on va y aller. Le reste, ça va être dit pendant la capture. Je vais essayer de ne pas faire bouger la DS. Ça me semble pas mal. Donc, c'est parti. Donc ouais, pour info, donc j'ai maté le live et je suis sûr qu'il est shiny, puisque voilà. Donc, toujours idéal avec effort pour le mettre à 1 PV. On va glacer. Donc c'est parfait, comme ça il nous bute les dés. Alors il y a eu une anecdote pendant cette semaine, ça s'est passé samedi. Ce qui s'est passé en fait, c'est que j'étais dans les rencontres, je faisais A, et du coup, Elidel s'est fait buter, a fait un effort sur un non-shiny, et s'est fait buter, comme une merde. Donc j'ai dû repartir au chemin ardent pour qu'un Smogo le réempoisonne et que je puisse le remettre à un PP et tout le bordel. Et j'avais qu'une hantise, c'était de tomber sur un shiny en cherchant un Smogo pour empoisonner Elidel. Et ça n'est pas arrivé, heureusement, parce que
Parce qu'au-delà du fait que bon, c'est contre par exemple, sur la chaîne qu'on veut, c'est que je voulais vraiment que les trois régies soient côte à côte sur ma showcard. Donc du coup, voilà. Je suis content que cette erreur n'ait pas eu de conséquences. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors donc j'ai dit quoi, je m'étais renseigné sur la mythologie des régies. J'ai aussi foutu des PP plus sur hypnose au cas où ça s'éternise, et ça, à mon avis, c'est pas bête. Donc du coup, au niveau de la mythologie des régies, qu'est-ce que je m'étais noté? C'est que c'est cool d'attendre en fait. Putain, j'ai loupé. Ah ben non, il dort. Je suis con, j'ai pas loupé une attaque vu qu'il dort. Ça va être compliqué de tout faire en même temps. Donc scuba, hein, comme on a dit. Donc ouais, je m'étais noté que c'était cool de trouver, enfin de se lancer dans des recherches comme celle-ci sur la plupart des légendaires. Une fois qu'on avait avancé dans les générations et qu'il y avait d'autres jeux qui étaient sortis, qui avaient apporté plus d'informations, c'est quelque chose que j'avais noté sur la vidéo d'Armand sur sa capture de Cresselia dans Noir 2, je crois. Puisque on apprenait d'autres choses sur Cresselia. Il est sérieux ? Ne fais pas des peurs comme ça, j'ai trop de choses à dire. Donc du coup, je m'étais noté que c'était cool parce qu'on apprenait plus d'infos sur le légendaire en question, parce qu'on avait attendu qu'il y ait d'autres infos qui soient apportées et tout ça. Et en fait, c'est le cas pour Rejaïs aussi, qui se montre d'ailleurs assez paresseux puisque ça fait 3 ou 4 tours qu'il dort. C'est le cas puisque avec Diamant, Perle, Platine et tout ça, enfin à partir de la 4G, il y a Régigas qui est arrivé et qui nous a donné pas mal d'infos. Donc malédiction. Et donc ça c'est cool parce que du coup on sait maintenant pourquoi les régies sont là. On en sait plus que ce que laisse suggérer leur description du Dex dans la 3G. Et ça c'est quand même chouette. Donc du coup, petit rappel pour ce genre de choses. En gros, la légende veut que Régis, Régirock et Régistil aient été créés à partir de. Enfin non, aux périodes qui correspondent à leurs éléments. Donc Régirock à l'âge de pierre, Régis à l'ère glaciaire et Régistil à l'âge de fer, j'imagine, enfin au Moyen-Âge quoi, ou une connerie comme ça. Et ce qu'apporte en plus Régigigas, et c'est un peu contradictoire en soi, c'est qu'il les a créés pour protéger les continents qu'il avait lui-même créés. Et qu'il les a. Ça a mal tourné. Et pour les protéger d'eux-mêmes et pour protéger le monde aussi, il a dû les enfermer dans des hôtels de pierre avant de s'enfermer lui-même dans le temple dans lequel on le trouve dans Diamant, Perle et Platine. Et donc, ce qui est cool, c'est que cette idée de créer des golems, en fait, hein, puisque c'est ça, et de les avoir comme à la fois à sa disposition et à la fois comme protecteur de quelque chose, c'est raccord avec une certaine mythologie, qui est la mythologie juive, en fait, dans laquelle existent les golems, qui sont donc créés par... Putain, il veut plus dormir, lui, ça y est. Qui sont donc créés par des gens et qui servent à la fois de serviteurs et de protecteurs. Donc du coup, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que golem en hébreu, ça veut dire cocon. Et on retrouve un peu la même idée avec les trois régies, puisqu'ils sont enfermés dans des hôtels dans lesquels ils sont à l'abri de tout, et à l'abri d'eux-mêmes, et tout ça. Et je m'égare complètement, parce que en fait, c'est très facile de dire « je tape un texte et c'est cool, j'aurais plus qu'à le lire », mais en même temps, t'as le stress de la capture. Le stress des pépés, et ça se passe pas du tout pareil. Donc du coup, c'est plutôt cool, voilà, d'avoir ce corollaire là. Et ensuite, ce que je me dis, c'est que ça raccorde même avec la difficulté potentielle du combat, puisque ça voudrait dire que Régis a été enfermé, qu'il était coupé du monde, et du coup il a médité pour augmenter sa puissance et devenir voilà, complètement awesome et en plus shiny. Et c'est pour ça qu'il me casse les couilles et qu'il va m'épuiser mon stock de scuba ball. Donc voilà, c'est à peu près tout là-dessus. Donc au niveau de la mythologie, en fait voilà, la mythologie juive et donc ce corollaire avec la régie m'a permis de trouver des surnoms. Et ce que j'ai fait, tout bêtement, c'est que je me suis dit que j'allais leur donner le nom de leur élément. Putain, c'est pas normal qu'ils ratent, je lui ai foutu deux précisions de plus. En plus, je crois que j'ai loupé une attaque.
3 et de 5, 6, 7, 8. Ce qu'on va faire, c'est que je vais bientôt faire une pause dans la vidéo pour compter les pépés parce que je m'y perds complètement. Mais en gros, ouais, voilà, donc c'est cool parce que du coup, je me suis dit que j'allais leur donner le nom de leur élément, mais en hébreu, enfin phonétique hébraïque du coup, puisque l'hébreu, c'est pas du tout avec l'alphabet occidental que l'on connaît. Donc ça m'a permis de... Putain, il veut plus dormir, mais jamais le mec, quoi. Et donc du coup, Régiroc s'est appelé... il s'est appelé comment, ce con? Je sais même plus. Régiroc s'est donc appelé... Tsour. Voilà, Tsour. Qui veut dire roche en hébreu. Et Régis s'appellera... je sais plus non plus. Il s'appellera Kerak, ou Kerach, qui veut dire glace en hébreu, tout bêtement. Donc voilà, donc du coup, la prochaine fois qu'il se réveille, je vais faire une pause pour compter les pépés, parce que là, ça commence vraiment à me faire flipper. Et c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Donc voilà, je préfère être prêt, quitte à faire une pause, plutôt que faire des conneries. Donc après, je savais que ce serait pas simple, avec les 2% de chance des scuba et tout ça. Mais voilà, donc je trouvais intéressant ce parallèle. Je l'avais bien plus développé sur un doc que je pouvais limite lire et tout ça. Mais en fait, c'est plus compliqué. Donc voilà, il s'est réveillé, il s'est un pouvoir antique. Et moi, je vais couper la vidéo pour compter les pp. Et je vous reprends tout de suite. Ouais, donc j'ai vachement bien fait de couper la vidéo parce que j'avais loupé un PP de sa dernière surpuissance. Ou alors je me suis planté en regardant la vidéo. Mais non, théoriquement, je pense que je me suis plus planté sur le comptage de départ. Donc c'est plutôt chouette d'avoir rattrapé le coup. Donc normalement, il a plus de surpuissance. Il lui reste que 2 pouvoirs antiques, 9 malédictions et 13 vents glacés. Donc on est parti pour la suite, hein. De toute façon, là, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire, parce que clairement, je me suis complètement perdu dans ce que j'avais à dire et que voilà, j'ai fait le tour. Donc ça, c'est pas mal. Et puis voilà. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à partir de maintenant, je vais me taire. La capture, je la mettrai en timelapse jusqu'à ce que je le capture, en fait, tout bêtement. Et une fois que ce sera les derniers tours avant la capture, je remettrai la vitesse normale, histoire qu'on suive ça ensemble. Donc du coup, je me tais et je vous dis à tout à l'heure. Donc en fait non, je m'étais planté en regardant à nouveau la vidéo pour compter les pépés. Et on a bien foiré le comptage. Donc là il a plus de surpuissance, c'est sûr et certain. Oh merde, faut que je le rendorme.
Bon, eh bien, je crois qu'on va passer aux dernières hypnoses, puisque après, je vais switcher, tout bêtement. Enfin, la prochaine fois qu'il se réveille, je l'endors et je switch. Pour la belle moto. Et voilà. Bon, il a raté, mais normalement il lui reste 5 pp. Donc je vais l'endormir. Et je vais passer sur la Kazam pour passer à la Bemopo. En plus. Donc il lui restaure surpuissance, c'est parti. Plus qu'une malédiction. Une surpuissance. Je pense que ça va finir à master. Il a plus de vent glacé. Il reste une malédiction et 3 surpuissances, mais je vais lui laisser un ou 2 pp de marge quand même. Oh putain! J'y ai cru. Donc il reste toujours une malédiction et 2 surpuissances. Donc là, je switch. Enfin non, au prochain tour, je pense que j'envoie la master. Là, il a plus de malédiction et il lui reste 2 surpuissances. Bon, j'envoie une dernière scuba et après j'envoie la master. Voilà. Donc c'est parti pour la master. Et normalement, il lui restera un pp de surpuissance. Donc c'est donc mon premier shiny à la master. Tout ça pour ça. Ah putain, quelle loose.
Et oui, évidemment, ça marche. Ça peut pas marcher avec une scuba, enculé. Pouf. Ouais, donc Réjaï s'est attrapé. Donner un surnom, ouais, je l'ai là. Alors moi, je préfère... Il y a deux orthographes phonétiques proposées. Moi, celle que je préfère, c'est celle-ci. J'en tremble de cette capture. Franchement, c'était épique. En plus, je me plante dans l'orthographe. Voilà. Donc, Kerach, qui veut dire glace en hébreu. Bon, bah écoutez, on va sauvegarder. Je suis sûr qu'il est shiny. Ouais, donc la durée de jeu de ma émeraude a pris un gros coup dans la gueule là, avec une semaine de jeu allumé, donc j'ai pas joué tout le temps, hein, j'ai pas fait 142 heures en... Voilà, humainement c'est pas possible, mais la console était allumée 24-24. Donc, les paris nature, on va se mettre sur Tsor pour le faire, donc Tsor était brave. Donc les paris nature, je vois ça sur Skype, donc Anto, paris jovial. Kumifu modeste, Emiko bizarre et Ben assuré. Donc moi je pense que je vais parier assuré aussi parce que ça m'arrangerait qu'il soit assuré. Donc c'est parti. Il est assuré! Oh putain, sans synchro, puisque synchro ne marche pas. Il est assuré. Donc ça c'est quand même une très très bonne nouvelle. C'est cool, cool, cool. Donc Ben, hein, t'as gagné, et moi aussi d'ailleurs. Il est bien shiny, il est bien classe. Les PP, vérifions. Il lui restait une surpuissance de sa mère. Donc du coup, combat épique, ma première master sur un shiny. Je vais re-sauvegarder parce que c'est quand même la base. Donc ouais. Du coup les dédicaces, je les ai déjà faites. Donc là, je vais juste l'envoyer au combat et puis on sera parti. Bon, j'ai 2-3 trucs à dire hein, sur la chasse en général. Donc du coup, on va le soigner. Et ça va être parti pour une pluie d'étoiles glacées. Waouh. Saut poétique. Après, il déboîte sa mère. Hein. Mais fait chier pour la master. Après, il y en a beaucoup qui vont choper la master. Je pense à Nakti, je pense à... je sais plus qui c'est qu'il avait eu sur Emerald aussi, mais qui l'a chopé. À la master. Donc du coup ça me dérange qu'à moitié et puis comme je l'ai dit dans l'intro ou enfin dans le début du combat, c'est vrai que on peut corréler ça avec l'histoire des régimes, leur puissance, le fait qu'ils aient été enfermés longtemps et du coup ils ont chopé tout ça. Ouah, sa mère, comment il est beau. Oh là là, t'es beau Réjaïs, t'as le swage. Mais ouais, ça fait chier quand même, parce que la master, quoi. Donc, après, tout arrive. J'espérais vraiment pas avoir à l'utiliser. Le fait est que ce fut le cas. C'est pas pire sur lui que sur un autre. Donc, je suis content. Je préfère que ça tombe sur lui avec un combat épique, comme on a eu, que sur un Roucou Lazare, parce qu'il a, cyclone, quoi. Très clairement, ça m'arrange. Maintenant donc du coup je vais partir, enfin déjà je vais sauvegarder, je vais éteindre la console parce que franchement une semaine allumée je crois que ça lui fait mal. Je pense que pour aujourd'hui la chasse ça va être top parce que je veux un petit peu profiter, c'est une chose que je n'ai pas faite. Alors là je fais un truc en fait qui s'est fait sur une vidéo que j'ai vu, que j'ai beaucoup aimé, c'est d'aller à, j'ai oublié le nom de la ville, on va voir en arrivant, Aotekia, pour la musique qu'il y a... Ah, ta mère, dégage. Qu'il y a ici. Et là, Boom Shiny, non? Non. Parce que la musique, quand on entendra, elle est vraiment sauvage. Et en plus, on ramasse des cendres. Donc, je voulais faire un combat ici, je vais en faire deux. Mais voilà. Donc, du coup, dans ce que j'ai à dire, c'est que...
J'ai regardé beaucoup de vidéos cette semaine parce que quand je chasse, j'aime regarder des vidéos de capture, des vidéos de trouvailles, des lives. J'ai regardé beaucoup de lives de Régis. Putain, j'arrive plus. De Régis. Parce que je voulais vraiment avoir la certitude que je pourrais pas le rater. Ce qui fut le cas. Voilà. Et donc, dans les vidéos que j'ai vues, il y a beaucoup de chasseurs qui sont des chasseurs récents. Qui ont commencé il y a un ou deux ans et donc dans l'absolu je ne connais pas, mais qui chassent encore sur 3G, sur 4G, qui préparent la capture, qui ont des belles teams, qui ont des explications, qui ont des vidéos vivantes tout simplement. Pour dire la chasse, c'est pas juste un tas de pixels qui est différent d'un autre tas de pixels parce qu'il y a une donnée dans le jeu qui va dire qu'il doit être différent. Non, c'est une question de philosophie, une question de préparation, une question d'émotion et de partage. Et j'aime beaucoup ce que font ces gens, donc voilà, je pense à... Faut que je rouvre YouTube, mais je pense notamment à BenjiSH, à Landy, à Shiny Hunter Alex, à Pearl, à des gens comme ça, que je découvre, parce que même si je participe plus sur SH, je regarde quand même ce qui se fait, et j'aime beaucoup ce que vous faites. Donc voilà, je le dis, je ne sais pas si vous regarderez mes vidéos, mais si vous tombez dessus, sachez que je suis un fan. Donc ça, c'est bon. Ensuite, comme j'ai déjà dit au début, je vais le redire, j'aimerais remercier toute la communauté du Forum Strea parce que c'est une ambiance que j'aime, parce que les gens sont cool, parce que tout ça, et puis parce que je retrouve une ambiance qui était celle de la chasse il y a 2-3 ans, 4 ans, et qui l'ambiance que j'aime tout bêtement. Il y a un truc, c'est pas que ça s'est cassé, c'est que c'est le cycle de la vie et je le vois moi en pouvant rejouer à nouveau alors que j'ai pas pu pendant quasiment 2 ans. C'est ce qui se passe avec la French Connection ou avec d'autres, c'est qu'on a des vies et qu'on a des études supérieures et qu'on a des boulots et que ça prend du temps. Et que le fait qu'on revienne pas forcément, c'est aussi dû à ça, au fait que l'ambiance n'est plus la même, qu'on a plus les mêmes repères. Et je vais pas dire que c'est dommage, tout change, tout évolue et il y a une tolérance de toute façon à avoir, mais ça a changé, voilà. Et donc sur Stria, je retrouve certains repères que j'avais et qui me tenaient à cœur. Donc ça, c'est cool. L'autre point que je voudrais faire... Ah ouais, ça c'est quand même important, je me le suis noté. Je suis un petit peu what the fuck quand je regarde vos vidéos YouTube pour certains, parce que on se mange une intro à un volume de 120 décibels qui nous éclate les tympans. Et une fois l'intro passée, on vous entend à peine, même avec le son de l'ordi à fond. C'est un problème. Aujourd'hui, tous les logiciels de montage, même les plus simples, l'équivalent de Windows Movie Maker ou ce genre de conneries, permettent de régler le volume indépendamment pour l'intro et pour la vidéo. Et de le réduire pour l'intro et de l'augmenter pour la vidéo, histoire d'avoir un truc à peu près à plat. Franchement, je m'en fous, le faites pas pour moi. Faites-le d'une part pour vous, parce que j'imagine que vous regardez quand même vos vidéos à la fin pour voir ce que ça donne. Et faites-le surtout pour vos abonnés. Tous, je veux dire pas moi, tous, parce que c'est hyper gonflant. Et pour quelqu'un qui a souvent le casque sur les oreilles ou quoi, se faire atomiser les tympans dès qu'il lance une vidéo, ou se dire je croise les doigts, j'espère que je vais survivre, c'est assez désagréable. Voilà. Donc je pense que ça aide pas à la popularité de certains. Et c'est dommage parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes dans les vidéos si on enlève ce désagrément là. Donc voilà, à part ça, écoutez, pas grand chose. C'est une recherche qui a été roxante parce que j'ai vu tellement de Régis en live que j'ai vu à quel point il était awesome. C'est mon préféré des trois pour une très longue histoire, puisqu'à l'époque Aquatan, de tout début de SH en automne 2005, l'avait trouvé après un chiffre totalement énorme aussi. Et ça avait ému beaucoup de monde parce que son récit de capture, à l'époque on n'avait pas de vidéo, on n'avait pas tout ça, était très émouvant. Et qu'il s'est senti un petit peu con à la fin de cette recherche. Il a dit ouais, maintenant je l'ai, qu'est-ce que je vais bien pouvoir chasser, parce qu'il n'y a rien d'autre qui me plaira à ce point. Et la magie n'est jamais revenue pour lui. C'est quelque chose de dommage, mais c'est quelque chose que je comprends, cette espèce d'aboutissement. Je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre après Cracknoir, parce que je me disais, Cracknoir, c'est tellement un symbole et c'est tellement de temps, d'émotion, de tout ça, qu'une fois que je l'ai eu, je me suis dit de toute façon, je peux chasser tout ce que tu veux, il n'y a rien qui me fera vibrer autant. Aujourd'hui, ça revient et j'ai pris le temps, j'ai eu raison de prendre le temps. Donc du coup, c'est quelque chose d'important. Régis m'a marqué en ce sens-là. Et voilà.
Et à part ça, bah, je sais pas vraiment quoi dire. C'est magnifique. Maintenant, je vais, voilà, je pense demain me mettre à un Registeel. Avant ça, c'est pas forcément nécessaire. Et puis, je vais vous laisser là. Bonne chance, bonne chasse, bonne tout ce que vous voulez. Armand, encore une fois, bon anniversaire. Et par la même occasion, mon ex aussi, bon anniversaire, puisque c'est aujourd'hui aussi. Et puis, bonne chance à tous, bonne chasse à tous, et à bientôt. Ciao.